En presque 30 ans de carrière, Denis Podalydès affiche plus de 100 rôles au compteur, dont la moitié sur les planches. Il est l'un des comédiens à la palette la plus riche, capable de jouer plusieurs personnages et plusieurs pièces à la fois. Vous donneriez votre main à couper comme arrêt innocent, tout de suite? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a qu'on vous voit l'arrêt du cul, Michel. Un vrai plombier. Vas-y, mémé! On va couper la corde! Sociétaire de la Comédie française, il est tour à tour Hamlet, Harpagon, ou en ce moment, le baron Constantin von Essenbeck dans Les Damnés. La pièce nous transporte dans le contexte de la montée du nazisme au sein d'une riche famille de la sidérurgie allemande dont les membres vont s'entretuer pour prendre le pouvoir. Bonjour Denis Podalydès. Bonjour. Votre personnage, le baron Constantin von Essenbeck, est le fils d'un riche industriel allemand qui, par ivresse du pouvoir, va collaborer avec le régime nazi et sombrer dans la folie. Vous pouvez le décrire en quelques mots? Pour moi, c'est un fils mal aimé, frustré de cet amour. Il a toujours... le père Joachim lui a toujours préféré le fils aîné, mort à la Grande Guerre, héros national. Je pense que c'est le cœur du personnage, c'est ça. C'est un homme que son père a rejeté et qui, à la faveur du nazisme, trouve, notamment dans les milices SA, un exutoire à ses frustrations, à ses haines et le moyen de montrer à son père qu'il est un autre homme, qu'il est puissant. La nuit des longs couteaux est une des scènes marquantes de la pièce. C'est le moment où tout bascule pour votre personnage qui se livre à une scène d'orgie sexuelle pour affirmer sa domination. Faut-il s'oublier complètement dans son personnage pour incarner ce moment-là ou au contraire être dans la concentration la plus totale? J'allais dire les deux. C'est-à-dire, faut vraiment, d'une certaine manière, il faut s'oublier. Quand on joue nu, avec le corps que j'ai, qui n'est pas un corps de super athlète, je dois m'oublier. Et en même temps, le fait de s'oublier, d'ailleurs, permet une super concentration. Parce que je ne suis plus réduit qu'à mon rôle. C'est une bacchanale, me disait Ivo Van Hove. Une bacchanale, c'est le moment où on est hors de soi, où on s'abandonne à toute son animalité. Donc c'est ce que je fais. Vous étiez-vous déjà autant abandonné dans un rôle? Il y a des scènes qui m'ont donné le sentiment d'aller très très loin. Je pense à La Grande Magie, je pense à Hamlet, je pense à Harpagon dans L'Avare, qui sont des rôles aussi qui vous poussent un peu aux limites de vous-même. Là, peut-être, c'est un concentré de tout ça, en une scène qui fait 10 minutes à peu près. Ouais. Ivo Van Hove, le metteur en scène danois des Damnés, a évoqué la montée des populismes en Europe, le terrorisme. Cette pièce invoque et montre le mal. Pour vous, elle a une résonance particulière avec l'actualité? On l'a su tout de suite, on l'a senti tout de suite, que ça résonnerait très particulièrement, même dans cette période préélectorale, où il y a des choix vitaux qui devront être faits d'ici quelques mois. Avec cette peur que tous les démocrates, je pense, les vrais démocrates, peuvent avoir du Front National. Le Front National reste le Front National. Même avec des propos qui se veulent radicalement différents de ceux qui étaient tenus par le père Le Pen. C'est une force par nature antidémocratique. Quelqu'un qui vote Front National, même s'il est très à droite, s'il vote Front National, c'est parce que, dans le fond, il y a de la xénophobie, il y a du racisme qui revient. Ce que raconte le spectacle, c'est que le mal a une très grande séduction. Et que le mal, quand il vous gagne, c'est souvent sous un masque très flatteur. On sort avec la boule au ventre des Damnés et le sentiment d'avoir été bousculé, dérangé. Comprenez-vous ce trouble qui étreint le spectateur après avoir vu la pièce? Oh oui, j'espère qu'il le sent. D'ailleurs, c'est pas par masochisme ou par envie ou par sadisme. Mais je pense que les questions qui sont agitées, comme elles sont vitales, qu'elles sont actuelles, je comprends qu'on soit saisi. Et puis, Ivo Van Hove, c'est un très grand metteur en scène qui sait très bien mettre sur la scène les passions humaines dans une forme
extrêmement contemporaine et avec une intelligence du sens très grande. C'est-à-dire qu'il n'en rajoute pas du tout. Il y a très peu d'hémoglobine. Il y a des gens qui m'ont dit, voilà, qu'est-ce qu'il y a comme hémoglobine? Mais je mets de l'hémoglobine, il n'y en a qu'à deux moments. La petite pastille de sang que je me mets dans la bouche pour mordre l'oreille de mon partenaire et le saut de sang qu'on m'envoie à la figure. Ça fait comme quoi comme impression de recevoir un saut de sang dans la figure? Je vous le souhaite. Non, vraiment. Ça réveille. Vous aussi, vous avez mis en scène des personnages monstrueux et attachants. Je pense notamment à Lucrèce Borgia, incarnée par Guillaume Gallienne. Oui, peut-être. J'ai toujours aimé les personnages de méchants dans les films, dans les contes, dans les romans. Je me suis toujours beaucoup plus, curieusement, dans Les Misérables, je m'attachais plus à Javert qu'à Jean Valjean. J'aime les acteurs qui jouent les méchants. Ils me touchent, ces gens-là, parce qu'ils sont maudits. Il faudrait m'asseoir au pilori pour te mettre sur un trône. Il faudrait payer d'une torture de l'enfer chacun de tes moindres plaisirs que je n'hésiterai pas. Aie pitié de toi et de moi. Bois vite, au nom du ciel. Allons, c'est bien. Souvent, les méchants le sont parce que quelqu'un ne les a pas aimés. Je crois que c'est naïf hein, de penser ça. C'est un enfant qui n'a pas été aimé par sa mère. C'est tout bête, mais je trouve que souvent, ça fonctionne. Il y a un vieux, peut-être, fond catho qui fait que, d'une certaine manière, je lui pardonne. En près de 30 ans de carrière, vous avez incarné près d'une centaine de rôles, dont la moitié sur les planches. Où puisez-vous votre énergie et votre inspiration, Denis Podalydès? Je crois que je la puise dans la curiosité que j'ai du monde et de tout ce qu'il produit. Du monde comme le monde est tout ce qui arrive. C'est une phrase d'un philosophe. Et pour moi, le monde, ce n'est pas des choses disposées dans l'espace, des paysages, des maisons et des gens. C'est un immense tissu de relations que toutes ces choses entretiennent les unes avec les autres, qui crée un immense récit, qui crée une chose qui est en mouvement permanent, et ce mouvement me fascine, et sous quantité de formes, sous forme cinématographique, sous forme picturale, architecturale, théâtrale, musicale, et à chaque fois, ça retient mon attention, et j'ai envie de témoigner de ça, j'ai envie, en tant qu'acteur, de jouer ça, j'ai envie de le raconter, aussi bien dans l'écriture que dans la mise en scène. Avez-vous une préférence entre un film d'époque comme La Chambre des officiers, une enquête policière comme Le mystère de la Chambre jaune, des histoires de palier, Versailles, Rive gauche, ou encore des histoires d'amour comme dans Camille redouble? Vous avez tout fait, vous avez tout joué. Quel est votre genre préféré? Ah, je ne sais pas, vous citez quatre films que j'ai particulièrement adoré faire. Et je ne saurais absolument pas dans quel ordre de préférence les mettre. Je ne voudrais pas le faire, d'ailleurs. Ces quatre... Vous voyez, Rive gauche, c'est le premier film fait avec mon frère, donc j'ai un attachement affectif, comme on a un attachement envers un très cher souvenir. Camille redouble, c'est un scénario magnifique. Et les films de Noémie sont absolument magnifiques. Le mystère de la Chambre jaune, ça a été un des plus grands bonheurs de cinéma. C'est aussi un film de mon frère. Comment a-t-il pu s'enfuir? C'est pas de ce côté-là que vous trouverez le mobile du crime. J'attends l'assassin ce soir. D'accord. Et quant à la Chambre des officiers, j'ai adoré faire ce film-là, j'adorais ce costume. Ah, pour le coup, c'est dans le film historique, j'aimais tellement être dans cet uniforme-là. Et encore un personnage en costume. Et j'adorais ce masque. Personnage en costume, oui. Non, sans doute, j'ai une fibre pour ça, peut-être la fibre théâtrale. Qui c'est qui m'a foutu un truc aussi haut, là? C'est pour Villepin ou quoi, ça? Regarde ça. Regarde, tu as quatre pieds derrière. Viens. Hein, quoi? Il est où, Villepin? Non, il n'y a rien, là. Putain, arrangez-moi ça. Là. On s'approche des primaires et de la présidentielle, et vous avez joué pour le cinéma Nicolas Sarkozy dans La Conquête. Je me demandais, est-ce que c'est jouissif d'incarner un homme politique au cinéma? Ça l'était. Ce personnage-là m'a exalté à jouer. Il est tellement loin de moi. D'ailleurs, je me souviens toujours de cette phrase. Après m'avoir rencontré,
On s'était rencontrés et après, il avait dit à une journaliste de Télérama, c'est drôle, il a l'air si fragile. Et en fait, c'est pour moi un incroyable compliment. Je pense qu'il m'a cerné, c'est un homme très intelligent. D'ailleurs, moi, je ne jamais sous-estimé son intelligence. D'ailleurs, c'est un personnage qui m'a occasionné tellement de plaisir que, même si je ne suis pas de son bord politique, pas du tout, je me garde d'en dire aucun mal. La pièce Les Damnés à la Comédie Française affiche complet jusqu'au mois de janvier. C'est une satisfaction. Oui, c'est une grande satisfaction parce que ce spectacle contient une substance qu'il est bon de partager aujourd'hui. Je suis très, très, très heureux de ça. Très heureux pour la troupe, pour la Comédie Française qui, aussi, c'est un spectacle dont on ne l'aurait pas cru capable, je pense. Et Ivo Vanhove, je pense, avait des craintes avant de venir dans cette troupe. Et aujourd'hui, de la manière dont on s'est quitté l'autre jour, c'était très, très émouvant parce que j'ai senti que son attachement était grand aux acteurs de cette troupe, à cette maison, à la façon dont ça s'est passé. Et nous, de même, on a donc une chose, c'est qu'il puisse revenir.